Dans l'Oise, Claude, ses prétendantes, et Bertrand, le binôme de cuisine de Lydie et ami intime de Claude, s'apprêtent à déguster leur création gourmande dans la gaieté et la bonne humeur. Loin de toute considération sentimentale. Et comme toujours quand il s'agit de vanter les qualités de notre senior de la saison, Lydie et Catherine parlent à l'unisson. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui alors? Voilà. On est reçus comme des princesses. Oh bah, à 9h, on a ouvert un œil, à 9h15, on a ouvert une deuxième. On est descendu, le café était prêt. Ah bah, avec Claude, tu peux te... Oh là 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 là, c'est... Alors ça aussi, ça fait partie de ses qualités, les galons, il est... Ouais. Qu'est-ce qui vous a... Vous avez regardé le portrait? C'est ça? Ah bah oui, sinon on serait pas là. Hein. Et vous avez accroché comme ça Moi, oui, m'a le plus touché, c'est quand il y a vraiment eu ce moment d'intimité où elle lui a posé des questions quand il était dans son canapé. C'est là, vraiment, que tu vois un petit peu, enfin si je peux me faire, on oublie qu'il est là. C'est là que tu vois un petit peu la sensibilité de l'homme. Ah bah oui. Parce qu'au début, moi, je sais pas. Il va avoir les chevilles qui enflent. Ouais, il va avoir les sens, la sensibilité. Et puis, en fin de compte, derrière cette grosse carapace là, de gros nounours mal léchés, à l'intérieur, il y a quelque chose... Si, moi, j'ai ressenti comme ça. C'est bien la différence entre les femmes et les hommes. Je pense pas qu'un homme soit capable de parler comme ça de quelqu'un. Ah oui. Tu vois? Non. Moi, en tout cas, je suis pas capable de sortir des choses comme ça, mettre les mots sur tes pensées. Voilà. Oui, et même d'être peut-être aussi sensible que ça. Voilà, c'est parce que c'est ce que tu dégageais. Ah, mais même si l'une ou l'autre vous dégagez quelque chose pour moi, je n'arriverai pas à en parler comme tu viens d'en parler. Nos seigneurs de la saison ont le mérite de ne pas y aller par quatre chemins lorsqu'il s'agit de parler des choses de la vie. Et ce n'est pas fini car des sous-entendus rattrapent vite notre quatuor. Je boxe et on a magique.